Le chanteur Mika sera au Festival Caprice à Montana le 15 mars prochain. On aime ses cheveux, on aime ses jeans slim, c'est pas facile à dire ça, et sa voix de fausset et son air relax. Le musicien Raphaël, lui, fait son festival ici, et on aime aussi beaucoup ses cheveux, ses t-shirts fluo, ses keyboards et ses déguisements qui peuvent être, disons, assez recherchés quand il décrypte la chanson Grace Kelly. Raphaël. Mais qu'est-ce qu'il a, mon coiffeur, à aimer Mika? Mais oui, vous savez. Sortir un truc aussi baroque et acidulé en 2006, c'est culotté. Mais ce qu'il est encore plus, c'est de se comparer dans la même chanson à Grace Kelly, Michael Jackson ou Freddie Mercury. Surtout quand on signe là son premier album. Imaginez que je prétende être aussi drôle que Rock Rosio et aussi beau que Massimo Lorenzi. Alors pour oser ça, Mika est soit très sûr de lui, soit totalement décalé. En fait, c'est un grand naïf, un ado qui ne veut pas entrer dans le monde des adultes et qui voit sa vie en dessin animé. C'est même le titre de l'album. C'est ça, Mika, c'est Peter Pan. Mika, c'est Peter Pan. Peter... Bon, l'autre grande particularité de Mika, c'est sa voix. Un autre truc pour bien nous faire comprendre qu'il ne veut pas rentrer dans le moule du showbiz. Il chante de façon totalement non conventionnelle, un peu comme un ado qui n'a pas encore vraiment mué. Il commence tout en bas et il monte à des hauteurs complètement hallucinantes. I could be brown, I could be blue, I could be violet sky, I could be half, could be purple, could be anything that you like. Cette mélodie, qu'est-ce que c'est? Mais il le dit lui-même, hein, il l'a piqué un des thèmes les plus célèbres de l'opéra, celui du barbier de Séville de Rossini. Mais oui! Pronto a far tutto la notte giorno, sempre d'intorno in giro sta. Mille cucagna per un barbiere, vita più nobile non si dà. Mais oui, écoutez la mélodie, c'est presque la même chose. I could be brown, I could be blue, pronto a far tutto la notte giorno. Non, c'est surtout la structure rythmique qui ressemble beaucoup. Alors bon, c'est vrai que ça sonne un peu différent, mais bon. Mais alors, le barbier de Séville, mon coiffeur, mais c'est ça le truc. Mais alors, si je faisais un tube pour... tiens, sur la reine de la nuit de Mozart pour les drag queens de Genève, allez, pas qui. On coupe. C'est nul.